impliqués dans une affaire de prostitution. Trois gardes du corps de Barack Obama ont quitté leur poste. Sur les 11 agents concernés, un membre de la hiérarchie a été autorisé à prendre sa retraite, un autre a été limogé et un agent a démissionné. Les autres sont suspendus. Il s'agit du plus grand scandale de l'histoire du Secret Service, la police d'élite chargée de protéger le président des États-Unis. Un scandale dont se serait bien passé Barack Obama à 6 mois de la présidentielle. Eh bien, il est clair que ce qui s'est passé est vraiment très gênant. Je pense que les enquêtes nécessaires sont en cours, tant au Pentagone qu'au Secret Service, et j'espère qu'elles seront menées jusqu'au bout et rapidement. Vendredi dernier, 2 jours avant l'arrivée de Barack Obama en Colombie pour le sommet des Amériques, des gardes du corps auraient passé la soirée avec des prostituées dans un hôtel de luxe de Carthagène. L'histoire n'aurait sûrement jamais été révélée si un agent n'avait refusé de payer l'une des prostituées.